What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour des nouvelles de chez Bungie, voilà. La semaine de chez Bungie est parue sur leur site internet, donc c'est un petit bulletin qui sort chaque semaine avec les nouveautés, tout ce qu'on peut s'attendre à voir arriver dans la semaine suivante. Et du coup, ils ont sorti ça cette nuit et je vous fais un petit récap de tout ce qui va arriver prochainement sur Destiny. Alors la première des choses, c'est le retour de la bannière de fer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient. Du coup, elle revient mardi prochain, donc le mardi 17 janvier à partir de 19h. Le mode jouable sera donc le mode choc. Et à cette occasion, les éléments lootables en fin de partie et achetables chez Dame Efridite seront le pistolet, donc le sidearm, le petit pistolet, le lance-roquette et au niveau des armures, vous pourrez looter ou acheter les torses et les gants. Voilà, donc je vous mets des screens, ils sont plutôt sympas à aller chercher. Franchement, moi en ce moment je joue pas trop à Destiny, mais ça va être l'occasion justement de retourner un petit peu squatter le PVP, ça va faire du bien. Deuxième point qui a été abordé dans cette semaine chez Bungie, Bungie travaille actuellement sur une mise à jour qui va nous permettre de retourner au combat. Donc c'est les mots qui ont été utilisés directement dans ce bulletin. On peut s'attendre, je pense, à une mise à jour d'avril un petit peu comme l'an dernier. Je préfère pas l'affirmer, mais moi je le vois arriver comme ça. Et on en avait entendu parler il y a quelques temps déjà, peut-être pourquoi pas un retour du caveau de verre, un retour de Cropta. On peut rester rêveur pour le mois d'avril. En attendant, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir plus de nouvelles concernant Destiny 2, on en a toujours pas. Donc en attendant, on nous parle d'une mise à jour qui devrait arriver prochainement. Peut-être on en saura plus dans les semaines prochaines, mais on peut rêver. Une mise à jour d'avril, un retour des anciens raids, ça serait vraiment parfait. En attendant Destiny 2. La troisième info, c'est qu'un correctif va être déployé, donc il va être déployé le 17 janvier à 18h30, juste avant la bannière de fer, donc chez nous, hein, heure française. Et c'est un petit correctif, donc 2.5.0.A. Donc pour l'instant, on ne connaît pas tout le contenu, mais on sait qu'il va viser à corriger au moins 3 bugs qui étaient dans le jeu. Donc un bug qui faisait que les ennemis ne laissent pas forcément tomber avec assez de régularité les objets nécessaires à l'accomplissement de certaines missions de patrouille de la contrée infestée. Les raretés dans l'inventaire de Xur varient d'une semaine à l'autre en raison d'une place limitée dans son inventaire, donc ça on en parlait avec les 3 deniers notamment les dernières semaines. Et la stabilité des mitrailleuses exotiques Nova Mortis et Abaddon sont incohérentes, voilà la stabilité au niveau de ces armes. Donc ça va être corrigé et sûrement d'autres petites corrections au niveau de ce patch là, donc c'est le 2.5.0.1 qui sera, je le rappelle, déployé mardi 17 janvier à 18h30. Et enfin, la dernière info, c'est le retour des journées des contrats de chez Bungie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement cet événement, avant, Bungie tweetait tout simplement et nous disait, voilà, pendant 2 heures, vous pouvez lancer par exemple du choc. Un exemple, hein, vous pouvez lancer du choc et vous allez tomber sur une équipe de développeurs. Et si jamais vous réussissez à battre cette équipe, vous repartez avec cet emblème, vous la lootez directement. Et bien là, Bungie va refaire la même chose. Sauf que cette fois-ci, ils vont envoyer des personnages notoires de la communauté, hein, je reprends les mots qu'ils ont donnés eux. Donc pour l'instant, on sait qu'il y aura Professeur Broman, j'ai vu sur Twitter qu'il y aura aussi Gotha Lion qui va participer. Donc ça commence le 13 janvier, donc à partir d'aujourd'hui, voilà. Il faut suivre le compte Twitter de chez Bungie qui va donner des informations, qui va vous dire, voilà, de telle heure à telle heure, faudra lancer ce tel mode de jeu tout simplement. Et si vous avez la chance de tomber sur la personne qui va représenter Bungie, donc là notamment aujourd'hui c'est Professeur Broman, et bien si vous réussissez à la battre dans le mode de jeu qu'elle aura choisi et sur la console qu'elle aura choisi également, vous aurez la chance de looter cet emblème. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est un emblème assez rare, franchement on le croise pas partout. Bon, c'est vrai qu'il est assez banal, mais je peux vous dire qu'il est assez rare et pour ceux qui connaissent, quand vous tombez sur quelqu'un qui l'a, bah, ça fait plutôt plaisir. Voilà, c'est tout pour cette première semaine de l'année qui a été faite par Bungie. Bungie nous souhaite évidemment la nouvelle année. Nous, ce qu'on attend pour cette nouvelle année, c'est vraiment beaucoup plus concernant Destiny 2, évidemment des informations concernant Destiny 2. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu avant d'en avoir, voilà, des informations assez croustillantes. On a vraiment hâte. En attendant, j'espère vraiment que ces nouvelles vous ont plu les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !